Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne YouTube. Je vous l'avais promis la semaine dernière, on se retrouve aujourd'hui pour mes favoris, mes best-of de l'année 2019. Il y a certains produits que j'ai découverts et d'autres que j'ai redécouverts. J'avais un petit peu mis de côté et que j'ai racheté cette année tout simplement parce que ce sont des produits qui me réussissent très bien. Donc, nous allons parler de soins, de beauté, très très peu de beauté, de bijoux, de mode, de livres. Et puis, je partagerai aussi avec vous une chaîne YouTube pour laquelle j'ai un énorme coup de cœur et ça depuis déjà plusieurs années. Je crois que ça doit faire au moins 3 ans. Je vais essayer de ne pas trop blablater pour que ma vidéo ne soit pas trop longue. Je sais que certaines d'entre vous aiment beaucoup quand mes vidéos durent plus de 20 minutes, mais moi très honnêtement j'essaie de réduire le temps au maximum. Donc on démarre tout de suite, si vous le voulez bien. J'attrape quelques produits que j'ai posés sur le sol, plutôt que déposer sur une chaise, je les ai posés sur le sol, on se demande pourquoi, et je vous les présente tout de suite. Côté fond de teint, pas de nouveauté, je reste toujours sur mon Vita Lumière de chez Chanel, qui est extrêmement bien si vous désirez avoir un teint en transparence. Quand je veux par contre avoir un tout petit peu plus de couvrance, je passe au Dior Backstage, qui a le pouvoir de venir camoufler vraiment toutes vos petites imperfections. Personnellement, ce n'est pas un fond de teint que j'utilise au quotidien, je me dirige plutôt vers celui-ci. En vieillissant, je vous l'ai déjà dit, mon teint, je le maquille, mais vraiment très très peu, c'est une noisette pour tout le teint. Vous le verrez de toute façon lors de mes vidéos maquillage, mais très très peu de matière sur mon teint. Donc ça, c'est un favori, mais déjà depuis au moins 3 ans. Pour toutes celles qui me suivent, hein, vous le savez, je suis accro au Vita Lumière de Chanel. Ensuite, côté poudre, écoutez, figurez-vous que j'ai acheté la poudre Vita Lumière de chez Chanel il y a déjà pas mal de temps et c'est une poudre qui ne me réussit absolument pas. Je trouve qu'elle n'est pas suffisamment fine, je trouve qu'elle est épaisse et je trouve qu'elle vient marquer les traits. Donc c'est une poudre que j'ai achetée et que je n'ai pas utilisée. Par contre, grâce à Octoly, comme quoi parfois avec des plateformes beauté, on découvre vraiment de jolies choses, j'ai eu l'opportunité de tester la poudre de chez Givenchy. Il s'agit de la Prisme Libre qui se présente dans un magnifique packaging. On dirait comme de la dentelle, c'est très féminin, c'est élégant, c'est raffiné. C'est tout ce que j'aime et la poudre est vraiment parfaite. Elle est super légère, elle est super fine et elle vient matifier votre visage avec beaucoup de subtilité. C'est vraiment une poudre coup de cœur. Vous avez 4 teintes à l'intérieur et elles viennent en fait se mélanger les unes aux autres pour vous faire un teint vraiment parfait. Il s'agit là donc d'un énorme favori 2019. Je ne peux que vous la recommander. Avant de passer à la suite, je préfère préciser que ce sont des produits qui me réussissent très bien, mais ce sont peut-être des produits qui ne vous réussiront peut-être pas à vous, tout simplement parce que nous avons toutes des peaux différentes et que nos attentes sont différentes elles aussi. Donc je continue par une lotion de chez Pixi, c'est la Glow Tonic et celle-ci c'est mon 3e petit flacon. Vraiment c'est une superbe lotion qui vient tout de suite atténuer les pores dilatés. Je suis une ancienne peau grasse et de temps en temps j'ai encore cette partie médiane qui me joue des tours, donc je prends ma lotion Pixi avec un petit coton, je viens tapoter de chaque côté du nez et les pores se resserrent instantanément. J'adore cette lotion de chez Pixi, c'est un énorme coup de cœur là aussi et c'est une lotion que je vais être obligée de racheter car j'arrive à la fin du flacon. Ensuite, une base de chez Origins que j'aime beaucoup et que j'applique là aussi, pas tous les jours, mais uniquement lorsque ma zone T est relativement grasse. Donc c'est une base qui est très très fraîche déjà lorsque vous l'appliquez sur votre visage. Elle est légèrement crépitante et elle va venir fixer votre maquillage. Moi j'adore littéralement cette base de teint. Je ne suis pas fan de base de teint, en règle générale je n'en mets jamais, mais lorsque ma partie médiane est grasse, je ressors ce petit flacon et je l'adore. Je vais maintenant vous parler de produits dont je vous ai parlé il y a peu de temps sur ma chaîne.
Je vais essayer de vous retrouver la vidéo et de vous l'accrocher ici pour toutes celles qui ne l'ont pas vue. Ce sont les produits de chez Garancia. Garancia, c'est une marque que je connaissais de nom, mais que je n'avais jamais testée. Pour qui, pourquoi, je n'en sais rien. Toujours est-il qu'il y a quelques mois de ça, j'ai craqué pour trois produits de la marque et j'en suis absolument fan. Tout d'abord, il y a le Pchit Magique, qui est un micro-peeling sans grains, qui va agir sur la qualité de votre peau. Cela va affiner plus exactement votre grain de peau. Je l'adore, hein. C'est un produit que j'utilise 2 à 3 fois par semaine. Et c'est un produit qui me réussit vraiment très bien. J'évite le contour des yeux. Si vous avez la peau sensible ou réactive, c'est un produit que je ne vous recommande pas, car effectivement, ça picote un petit peu. Donc, si vous avez vraiment des problèmes de rougeur, je vous déconseille ce produit, mais sinon, il est vraiment parfait. J'ai oublié de prendre avec moi le sérum que j'utilise avant d'appliquer ma crème de jour. Il s'agit de l'élixir du marabout, qui est vraiment un super sérum. Vous en mettez 4 à 5 gouttes et c'est un sérum qui va agir sur la qualité de la peau. Je l'aime vraiment beaucoup. Il se présente sous forme de pipette et c'est très pratique, très hygiénique. C'est un sérum en plus anti-âge. Il a reçu 3 brevets, je crois. Et si vous voulez mon avis, je pense que celui-là, je vais la racheter aussi. Donc cette crème de jour, c'est une crème qui va jouer vraiment sur l'hydratation. Elle est riche en eau, très très riche en eau. Elle est riche en actifs antioxydants, en actifs bonne mine et en actifs anti-âge. Un excellent produit. Maintenant, si vous avez la peau plus sèche que la mienne avec des ridules de déshydratation assez avancées, il y a une crème juste au-dessus de celle-ci qui pourrait très bien vous correspondre. En tous les cas, Garancia, j'en suis complètement fan et je suis très heureuse d'avoir testé cette gamme. Elle est très très bien notée par les applications de beauté, donc vraiment énorme coup de cœur de l'année 2019. Je vous parle rapidement d'une brume que je rachète pour la quatrième fois. Il s'agit de la Brazilian Crush de Sol de Janeiro. C'est une brume que j'applique après être sortie de ma douche. J'applique tout d'abord une crème pour le corps et ensuite je viens me parfumer avec cette brume qui sent mais divinement bon. Ça sent le soleil, les îles, le Monoï. Vous vous croyez vraiment au soleil avec ce style de brume. J'adore vraiment. Ça, c'est une brume que j'utilise tous les jours. Je ne vais pas vous dire que la tenue est impeccable, hein, il ne s'agit que d'une brume, mais en tous les cas, voilà, c'est un énorme coup de cœur. Un produit que je rachète systématiquement et je crois que le prix n'est pas excessif, hein. Je vous mettrai de toute façon tous les liens en barre d'infos comme d'habitude. Au niveau maquillage, maintenant, j'ai acheté quelques palettes en 2019. Je crois que j'en ai acheté 6 au total. Et sur les 6, il n'y en a qu'une que j'ai retenue, tout simplement parce que je trouve qu'elle est vraiment extraordinaire. C'est la petite palette de chez Natasha Denona. Il s'agit de la Mini Sunset. Je vous ai déjà présenté les teintes au travers d'une vidéo. Vraiment, les teintes sont magnifiques. Les fards se travaillent très bien entre eux. Il n'y a aucune chute. Aucune chute dans la palette. Quand vous vous maquillez, vous ne vous retrouvez pas avec des particules de maquillage à ce niveau-ci. Et ça, je trouve ça top. Je crois que je n'ai jamais vu ça dans une marque de maquillage. Donc, Natasha Denona, je valide vraiment à 200%. Il s'agit de la mini palette, hein, qui vaut 25 euros. Je sais, c'est un petit peu cher. 5 fards au total et 25 euros, ce n'est pas donné. Mais c'est vrai que ça me donne envie de tester des palettes un petit peu plus grandes. Mais tout de même, quand je vois le prix des palettes à 113 euros, je trouve que c'est un petit peu exagéré, voire abusé, de voir des prix aussi exorbitants sur des palettes de fard à paupières. Donc, je ne sais pas si j'investirai. En tous les cas, je me maquille énormément, énormément avec cette palette. Et si vous voulez vraiment vous la procurer, n'hésitez pas, elle est parfaite. Maintenant, je vous parle de masques.
que j'ai beaucoup utilisé il y a 3-4 ans, puis je les ai un petit peu laissés tomber pour tester autre chose, et puis je suis revenue vers ces masques de chez The Body Shop. Il en existe quelques-uns dans la marque et je les aime tous, tous, ils sont vraiment très très bien. En ce moment, j'en ai deux que j'ai rachetés, que je connais donc par cœur. Il y a tout d'abord le masque au ginseng et au riz chinois. Il va agir sur l'éclat du teint. Il est excellent pour justement les teints brouillés. Je vous le recommande à 200% si vous avez justement un manque d'éclat en cette période difficile pour notre peau. Celui-ci est un masque végétarien. Il ne contient pas de paraffine, contient pas d'huile minérale, pas de parabène, bref. C'est vraiment le top. Vous avez tout de même une contenance de 75 millilitres et chaque masque vaut 20 euros. Je trouve que c'est raisonnable pour un masque vraiment de très très bonne qualité. Le second masque, c'est l'Amazonan Akai. J'espère bien le prononcer. C'est pas facile parfois les noms qu'ils nous mettent sur les produits de beauté. En tous les cas, c'est un masque, celui-ci, qui va raviver votre teint, qui va combattre les signes de fatigue. Et c'est un masque que j'ai plaisir à appliquer aussi une fois par semaine. On dirait de la confiture. Ça sent vraiment très bon. Et celui-ci, c'est un masque qui est vegan. Donc pas de parabène non plus, pas d'huile minérale, pas de paraffine. De toute façon, The Body Shop, c'est une excellente marque. Je ne peux que vous recommander tous ces masques. Je n'ai pas testé par contre les crèmes de jour, ni même le maquillage, car je sais qu'ils en font. Mais tous les masques, je les ai essayés et je les valide absolument tous, sans exception. Continue par quoi? Les bijoux ou la mode? La mode, les bijoux, je ne sais pas trop. Écoutez, je vais peut-être commencer par les bijoux qui se trouvent juste derrière moi. J'ai deux marques qui me tiennent à cœur, qui font vraiment de très jolies choses. Et voilà, j'ai envie de partager tout ça avec vous. Je vous l'ai dit il n'y a pas longtemps, j'ai découvert grâce à certaines de mes abonnées la marque Eva B. Et c'est une marque qui me séduit littéralement. Les bijoux sont fins, sont féminins, élégants, raffinés, c'est tout ce que j'aime, vous le savez. Et j'étais à la recherche d'une très très longue chaîne sur laquelle je pourrais y mettre la croix que j'ai eue pour mes 58 ans. Mes yeux se sont arrêtés sur cette chaîne qui est vraiment hyper bien travaillée. Nous sommes sur un produit vraiment de qualité, je le précise. Donc au bout de cette chaîne, j'avais cette petite croix qui est absolument sublime. Elle est ornée de petits strass et moi j'en ai fait deux bijoux, hein. Je vous l'ai déjà expliqué, j'ai bricolé pour en faire deux bijoux. Mais franchement, les bijoux Eva B sont très très beaux. Je suis toujours surprise, moi qui ne suis absolument pas manuelle, de voir certaines femmes créer d'aussi jolies choses. Par contre, il y a beaucoup de bijoux dorés. Pour toutes celles qui aiment justement les tons chauds, eh bien faites-vous plaisir en allant visiter le site. Moi, je suis beaucoup plus amatrice des tons froids, c'est-à-dire de l'argenté. Donc il y a tout petit peu moins de choix pour moi, mais honnêtement, ça, ce sont des bijoux que je ne regrette absolument pas. Vive la France et vive l'artisanat français. Deuxième marque de bijoux, j'en ai parlé aussi, je crois, deux fois au travers de ma chaîne YouTube. Je les ai reçus, ceux-là, par contre, en partenariat. Les bijoux Eva B, par contre, je précise que je les ai payés. Les bijoux que j'ai reçus en partenariat, ce sont ceux qui viennent de chez Ligne D, qui est là aussi une marque française. Tout est français, que ce soit le cuir ou que ce soit le reste. Là, je porte ce très joli bracelet qui m'a été offert il y a environ 2 mois, 3 mois peut-être maintenant, et que je porte pratiquement tous les jours. Honnêtement, il ne bouge absolument pas. Cette bague 3 boules, idem, elle ne bouge pas du tout. Dans les cadeaux que m'a fait Ligne D, il y a aussi ce très joli bracelet avec une petite breloque ici, qui n'a pas bougé en bientôt 2 ans. Il est élastiqué, il est juste parfait. Il est évident que lorsque vous achetez des bijoux fantaisie, mais je peux vous assurer que c'est de la très jolie bijouterie fantaisie, il faut éviter de
se laver avec, il faut éviter de mettre du parfum sur les bijoux pour ne pas les abîmer, les oxyder. Donc voilà, ce sont vraiment deux très belles marques de bijoux que je vous présente aujourd'hui et je vais vous laisser les liens vers les sites pour que vous puissiez aller y jeter un œil. Un cadeau, ça fait toujours plaisir. Voilà pour les bijoux. Je vais maintenant vous parler des deux articles mode que j'ai sélectionnés dans cette liste des favoris 2019. Très honnêtement, j'ai eu beaucoup de mal car j'ai acheté quand même pas mal de pièces durant cette année. Mais il y a deux articles qui ressortent. Un que j'ai porté beaucoup cet été et un autre que je porte beaucoup cet automne et puis que je continuerai à porter cet hiver. Il y a tout d'abord cette magnifique robe d'été que j'ai portée justement tout l'été pratiquement. C'est une robe toute simple qui vient de chez Pull&Bear. Elle est légère, elle est fleurie, le décolleté est juste parfait, elle est vaporeuse, elle ne froisse pas et elle m'a coûté 3 francs 6 sous. Donc vraiment un très joli coup de cœur pour cette robe que vous voyez sur la photo. J'ai hâte de voir la collection printemps-été de Pull&Bear cette année car je sais d'avance que je vais aller y jeter un œil et même les deux. Et ensuite je finis par ce simili cuir de chez The Couples que j'ai acheté maintenant il y a 2 mois et demi environ et que je porte très souvent. Il est hyper confortable. Là aussi, nous sommes sur une pièce très élégante, très féminine, très actuelle, tendance. Je l'aime vraiment beaucoup. Il se marie avec tout un tas de choses et nous sommes là sur un effet seconde peau. Donc là, il s'agit effectivement d'un article coup de cœur. Je recherchais un simili cuir déjà depuis pas mal de temps. Je n'en trouvais pas. Je trouvais que ça faisait vraiment plastique. Mais sur ce coup-là, je peux vous dire que j'ai mis la main sur une excellente pièce de très bonne qualité en plus. Vous le constatez aussi, j'ai choisi de vous montrer deux articles très différents au niveau du prix car la robe Pull&Bear m'a coûté 3 fois rien alors que le pantalon de chez The Couples m'a coûté un bras pour ne pas dire les deux. Mais c'est pour vous montrer justement qu'on peut s'habiller tendance actuelle, que ce soit avec des petits prix ou que ce soit avec des prix un petit peu plus élevés. La mode est faite pour toutes les femmes, il faut fouiller un petit peu et avoir les yeux partout. On entame la section livres pour toutes celles que cela intéresse. Je ne vais pas vous lire les quatrièmes de couverture, hein. La vidéo serait beaucoup trop longue. Je vais juste vous les présenter car ce sont des livres que j'ai particulièrement aimés cette année. Tout d'abord, je commence avec Guillaume Musso que je n'avais jamais lu. Si, si, croyez-moi, je n'avais jamais lu de Musso et j'ai lu La jeune fille et la nuit que j'ai littéralement adoré. Donc là j'ai racheté d'autres livres, il y en a d'autres qui m'ont été offerts pour Noël du même auteur et je n'ai qu'une hâte, c'est que mes yeux soient complètement guéris pour pouvoir justement lire tous ces livres qui sont en attente sur ma table de chevet. Donc celui-ci c'est un excellent bouquin. Ensuite, un auteur aussi que je connais très bien et depuis très longtemps, depuis de longues années maintenant, c'est Bernard Minier. J'adore son écriture, j'adore sa plume. Et ce livre-là, je l'ai beaucoup aimé, c'est M, le bord de l'abîme. Alors c'est un pavé, mais honnêtement, il se lit très rapidement. Donc excellent bouquin aussi. Je précise qu'il ne s'agit que de policiers, que de thrillers. J'ai lu beaucoup de classiques hein, dans ma jeunesse, au lycée plus exactement. Et puis petit à petit, je me suis dirigée vers les thrillers, les policiers. J'aime aussi les fresques historiques. J'aime beaucoup lire de toute façon. Un auteur que j'avais un petit peu laissé de côté parce que je trouvais qu'il était un petit peu trop sombre, un petit peu trop macabre, c'est Franck Tilliez que j'ai lu pendant de longues années et puis pendant 4-5 ans, plus rien. Je n'avais plus envie de lire cet auteur que je trouvais un petit peu trop sombre. Malgré tout, l'une d'entre vous m'a conseillé de lire le manuscrit inachevé de Franck Tilliez. J'ai adoré, vraiment c'est un excellent bouquin et du coup je me suis pris aussi le Lucas qui est excellent aussi, un petit peu noir quand même, mais bon, ça reste une très bonne lecture. Et puis je voulais faire un petit clin d'œil aussi à une abonnée qui s'appelle Frédéric de Lignières.
Elle écrit des livres et elle me suit sur ma chaîne YouTube. Elle a eu la gentillesse de me faire parvenir ce livre, un biguet, qui est un tout petit livre que j'ai lu en moins d'une heure, je crois. Et c'est une histoire d'amour, donc ça change complètement des livres que je viens de vous présenter. Mais c'est une personne qui a aussi une très jolie plume. Donc voilà, je tenais à vous présenter ce bouquin. Et puis au passage, Frédéric, si nous avons l'occasion effectivement de pouvoir nous rencontrer cette année 2020, pourquoi pas, je serais enchantée de faire ta connaissance. Je partage avec vous maintenant une chaîne YouTube qui me tient à cœur, que j'aime beaucoup. Il s'agit de satintaupe.com et il s'agit de mon amie Caroline, avec laquelle j'ai de très bons rapports. Je l'ai rencontrée lors du BeautyTube et nous avons gardé toutes les deux de très bons contacts. Je trouve qu'elle a une chaîne qui est complète, qui est diversifiée. C'est une femme qui s'exprime à la perfection, qui a toujours des avis très objectifs, très pointus. Et j'avais très envie de partager avec vous cet énorme coup de cœur pour cette chaîne. Je vais bien évidemment vous glisser le lien de sa chaîne en barre d'infos. N'hésitez pas à aller à la rencontre de son univers. Je trouve qu'elle a toujours le sourire, elle a toujours la pêche. Et ça fait plaisir de voir des femmes comme elle sur YouTube. Donc voilà, une très très jolie chaîne YouTube et une très belle rencontre en ce qui me concerne. Pour finir en beauté cette vidéo des favoris 2019, je vais tout de même terminer par un énorme flop, pour ne pas dire une énorme arnaque. J'ai été séduite, pour tout vous dire, par une marque de lunettes qui proposait des lunettes très très fun pour cet été. Et quand je les ai vues porter, j'ai tout de suite craqué. Donc j'ai commandé immédiatement une paire de lunettes. Elles valaient initialement 50 €, je crois. Et elles étaient à ce moment-là en promotion à moins 50%. Donc je les ai eues à pas trop trop cher, mais encore beaucoup trop cher. Pour ce que c'est de la Camelot, ni plus ni moins. Ce sont des lunettes qui ne valent absolument rien, c'est du plastique. Et le plastique, en l'occurrence, n'est pas fantastique du tout. C'est le genre de lunettes que vous remettez à un gamin de 3-4 ans. Au niveau de la qualité, je pense qu'on ne peut pas faire pire. Alors effectivement, elles sont très fun. Comme vous le voyez, moi je les ai beaucoup aimées. Mais voilà, au moindre choc, je sais qu'elles vont se casser, qu'elles vont se briser. Très honnêtement, je trouve que c'est abusé de nous les vendre à des prix aussi exorbitants. En plus, quand je les ai reçues, je n'avais pas de pochette, je n'avais pas de petit étui, je n'avais pas non plus de chiffonnette pour les verres. Donc j'ai écrit à la marque 2 ou 3 fois qui ne m'a pas répondu. Au final, j'ai fini par leur dire que j'avais une chaîne YouTube et que je n'allais pas leur faire de la bonne publicité. Du coup, ils m'ont renvoyé ce que je leur demandais, c'est-à-dire ben, le complément, la boîte, l'étui, la chiffonnette. Et ils m'ont même, offert un code promo pour ma communauté. Inutile de vous dire que je ne vous ai jamais partagé ce code promo, car pour moi c'était de l'arnaque totale. Arnaque totale, comment peut-on vendre des lunettes comme ceci à 50 €? Je trouve ça scandaleux, il ne faut tout de même pas nous prendre pour des pigeons. Donc je dis stop aux arnaques, celle-ci est monumentale, croyez-moi, et je ne suis pas prête de me faire avoir 2 fois sur ce type d'article. La vidéo est terminée, je sais qu'elle va être encore un petit peu trop longue pour certaines d'entre vous, mais je suis désolée, je n'ai pas pu faire autrement. Il s'agit tout de même de mes favoris de l'année 2019 et il y en avait tout de même quelques-uns. Ceci dit, je vais vous laisser, je vais vous souhaiter un excellent dimanche, une très jolie semaine à venir. On se retrouve le plus vite possible, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye.